L'insertion socio-économique des jeunes, une préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes. Elles entendent mettre en œuvre une politique efficace d'insertion des jeunes. Pour y arriver, mise sur pied du Fonds national de la jeunesse. Après une année d'activité, le Fonds, pour relever les défis actuels et à venir, a décidé de jeter un regard critique sur l'existant en vue d'adapter les orientations de la structure aux besoins des jeunes. Ce séminaire vise à réfléchir en mettant en relation notre décret de création avec les réalités du terrain, à nous donner les moyens en tant qu'EPIC qui a vocation à créer, générer des ressources propres, d'explorer toutes les pistes, toutes les voies qui peuvent nous permettre d'être financièrement autonomes pour pouvoir répondre de façon adéquate aux attentes des jeunes. Déterminer un éventail de ressources propres pouvant être générées par le fonds et déterminer les modalités d'utilisation de ces ressources, voilà entre autres les objectifs de ce séminaire qui, selon les participants, vient à point nommé. Nous pensons que ce séminaire est salutaire dans la mesure où il va permettre aux jeunes, n'est-ce pas, de mieux connaître la structure, parce que le FNJ, il faut le dire, c'est une jeune structure qui déjà fait, n'est-ce pas, beaucoup, mais malheureusement, à mon avis, qui n'est pas suffisamment connu, peut-être qu'il n'est pas suffisamment sollicité. Déjà, plusieurs emplois ont été offerts aux jeunes sur présentation de projets fiables et bancables. Et aujourd'hui, nous pouvons dire féliciter déjà en si peu de chemin les résultats que ce fonds a déjà obtenus. Pour atteindre ces objectifs, cette séance de travail a été constituée de communication pour servir de base de réflexion et de travaux en commission qui ont planché sur des questions essentielles. Le tout pour offrir de meilleurs horizons aux jeunes de Côte d'Ivoire.